je pense qu'on n'est pas justement là, on est plutôt sur une dynamique voilà, de... Après, tu as évoqué un sujet très important hein, par ailleurs sur les mémoires de la ville, les mémoires du quartier, dans le cadre du renouvellement urbain. C'est vraiment effectivement des sujets qui sont des sujets déterminants. Ce qu'on essaie de voir aujourd'hui, c'est voilà, c'est effectivement, là, on a des gens ici qui sont plutôt des acteurs, soit des acteurs culturels, associatifs ou institutionnels, des institutions patrimoniales. Et justement, ce qui est intéressant quand même pour ce qu'on essaie de voir un peu, c'est sur une dynamique de réseau, comment on peut arriver justement à avoir connaissance, à savoir ce qui a trait aux questions d'histoire, de la mémoire, que ce soit en termes d'action ou là, par exemple, moi je trouve qu'on ait la possibilité d'avoir connaissance de ce qu'il y a dans le fond de la cinémathèque. Moi, quand travaillé la cinémathèque sur ce bouquin-là, puis les moments d'échange au moment du choix des images, comme ça, on a eu des échanges avec Laure, avec Sorène. Et on a, par exemple, j'ai découvert qu'il y a un film à la cinémathèque de Toulouse. Hier, on en parlait autour de la mémoire de la guerre d'Algérie, ça a été évoqué au lieu de cours Grand Maison. Et évoqué le massacre du 17 octobre 1961. Bon, il y a un film qui s'appelle Octobre, qui est très très rare, qui n'a pas été diffusé, puisque son réalisateur ne voulait pas le diffuser, et qui est à Toulouse, à l'occasion de ce travail-là. Et moi, je pense que c'est très très important, parce que c'est un film qui a été fait non pas... voilà, bon, c'est un exemple, mais c'est pour dire que je trouve que c'est quand même important, et qu'en plus, mais ça c'est mon... le débat. Moi, je pense que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, y compris pour ouvrir des chantiers sur les questions des mémoires de la ville ou du quartier, on fait déjà beaucoup de choses, mais c'est vrai que si on n'a pas l'appui de l'institution, si on n'a pas accès aux ressources des institutions patrimoniales, on aura... voilà, ce sera dommage quand même, parce qu'on aura du mal à... Donc, c'est pour ça que ça nous paraissait intéressant aujourd'hui, effectivement, d'être en même temps le travail sur la question du réseau, et puis en même temps de voir aussi les gens qui nous accompagnent. Alors effectivement, à part madame qui est au conseil général, on n'a pas d'élu aujourd'hui. Et on pourra, la prochaine fois, avec un autre temps, avoir une discussion peut-être plus politique. J'évacue pas le sujet. Hein, voilà. C'est juste pour dire, je trouve quand même que c'est... C'est intéressant, quoi, quand même. Moi, je n'oppose pas tellement les choses. Je crois justement que la question de la médiation, le projet que Sarah a présenté, ça ne semble pas être ni de la grande culture, ni de la petite culture. Le disque, la chanson, les films, tu vois, voilà, moi, je pense qu'on a.